pourquoi les images divulguées de GTA 6 sont loin de ce à quoi ressemblera le jeu réel une fois sorti. La fuite de la vidéo de gameplay de GTA 6 pendant le processus de développement du titre n'était pas justifiable, et Rockstar Games l'a également désapprouvé. Mais cela a donné aux joueurs et aux fans un aperçu du match à venir. Immédiatement après que les vidéos ont fait surface et sont devenues virales, la communauté des joueurs a été divisée. Alors que certains ont estimé que le jeu à venir avait l'air phénoménal et réaliste, d'autres ont dit qu'il avait l'air plus inférieur aux normes que Grand Theft Auto V. Cependant, le studio de jeux américain n'a pas confirmé le gameplay divulgué comme version finale du titre. De nombreuses sources indépendantes ont révélé plus tard que les clips provenaient d'un stade pré-alpha. Cet article explique pourquoi le gameplay de GTA 6 changera par rapport à ces vidéos divulguées une fois publiées. GTA 6 aura-t-il le même aspect que dans les vidéos divulguées? La réponse directe est non. Il est peu probable que le prochain jeu Grand Theft Auto sans titre ressemble aux vidéos divulguées. Comme mentionné, ces vidéos provenaient de la phase pré-alpha, l'une des premières étapes du développement d'un jeu. Ici, la plupart des développeurs ne testent que ses fonctions principales. Les vidéos divulguées étaient également très nerveuses et remplies de bugs et d'erreurs, ce qui n'est généralement pas le cas dans un projet publié par Rockstar Games. Le studio de jeu est connu pour proposer certains des jeux en monde ouvert les mieux développés, et Grand Theft Auto 6 devrait également être le même. Après la phase pré-alpha, le projet passe généralement par les phases alpha et bêta de développement, affinant davantage le jeu. De plus, le leaker GTA 6 avait précédemment révélé que les vidéos ne dataient pas de 2022, lorsque le jeu a été divulgué, et dataient plutôt de quelques années. Cela suffit à justifier que Rockstar Games ait encore affiné GTA 6 jusqu'à ce que ses anciennes vidéos de développement soient divulguées. Le studio de jeu prend également un temps étonnamment long pour développer et sortir le jeu. Considérant qu'il n'est toujours pas annoncé en juillet 2023, il y a probablement beaucoup de choses à changer et à rectifier dans le titre à venir. Par conséquent, il est déraisonnable de penser que GTA 6 ressemblera aux images divulguées de septembre 2022. Il convient de noter que les images pré-alpha de Grand Theft Auto 5 d'avril 2009 ne ressemblent en rien au gameplay actuel. De nombreux joueurs disent qu'il s'agit d'une version hybride de GTA 4, où Rockstar Games a testé de nouvelles mécaniques de jeu. Par conséquent, les joueurs doivent reconsidérer leur opinion sur les images divulguées et attendre que Rockstar publie le jeu pour voir le produit final. Et vous? Pensez-vous que GTA 6 sera plus beau que les vidéos divulguées? Dites-le dans les commentaires et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Nous publions régulièrement des mises à jour et des informations sur nos activités, alors n'hésitez pas à nous suivre. Vous serez tenu informé de toutes les informations et mises à jour concernant notre chaîne. Nous attendons avec impatience de vous voir parmi nos abonnés.